Bonjour les amis, c'est Gémico, j'espère que vous allez bien. Ben là je trouve sur Far Cry 6 pour un nouveau gameplay. Donc là je vais faire l'épisode 10. Tous ceux qui aiment cette vidéo, mettez des pouces bleus, partagez à vos amis et abonnez-vous. Et surtout activez la cloche. Allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti. Donc là, récupérer la viande de croco. Les crocodiles de belle taille ne manquent pas à Costa Delmar. Je devrais sans doute explorer le parc Serpentino. D'après les habitants du coin, il y a un excellent coin de chasse à l'ouest de la rivière. Ah si, il y en a là. Mais je vais y aller tout de suite. Elle est toujours aussi bien cette voiture. Je kiffe toujours autant conduire. Regardez ce coin de paradis. Oh là là, tellement stylé. Allez, on va chasser. Ok, c'est un coin un crocodile ici. Oh. Oh, 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 chaud, chaud. Oh, 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 il est trop chaud. Viande de crocodile alpha s'obtient en chassant ces animaux. Peut-être échangé contre des circuits industriels après des vendeurs d'armes de Johan et des établis. Ok, pas de souci. Donc maintenant que j'en ai... Donc allez, on va retourner au camp. Je vais prendre les raccourcis. Hop. C'est tellement stylé de conduire une voiture. Oh, elle glisse. Tu sens les roues qui patinent. Voilà. Faut que j'aille voir le chien. Allez, je vais lui parler. Il paraît crossé et furieux. T'as bien niqué son opération. Peut-être que je me suis trompé à ton sujet, peut-être. Bon. Je vais te demander de me rendre un service. Nos camarades pourrissent dans les prisons de Rossé. L'un d'eux, Miguel, il est comme un fils pour moi. On a besoin d'un camion de prisonniers pour le sortir de là. Vole-en un et retrouve-moi à la station-service à côté de la prison. On entre, on récupère nos camarades et on se casse avant qu'ils donnent l'alerte. Je compte sur toi, touriste. Faut pas que tu merdes. Tu vas m'aider à sortir Miguel de prison. Espèce de touriste. Toi et moi, on a une affaire de famille à régler. Va piquer un camion de la prison. On en aura besoin pour sortir Miguel du trou à rats où il a été balancé. Donc la récompense est 150 XP. Donc on va accepter et suivre. Mais avant j'aurais bien voulu trouver le chien. Ah c'est là. Ah, livrer la viande. Je vais te rapporter tous les ingrédients. Faut trouver un crocodile semé à la terreur, ok. Ne pas les signer sur l'eau de rose. Car il faut chouchouter chorizo. Ok, faut des roses et tout. Mais déjà on va déjà faire la mission de voler un camion. Touriste, Philly va t'envoyer une photo du type de camion qu'on cherche. Et toi tu peux pas le faire? Je le ferai si cette merde de téléphone voulait bien faire ce que j'ai. Non mais j'y crois pas. Ok, j'ai reçu une nouvelle photo. Examinez. Ok, c'est un camion rouge, écrit Paria dessus. Allez, j'appelle mon véhicule. Qu'est-ce qui se passe, touriste? D'avoir au terrain de baseball près de Verdera. Il y a toujours des camions garés. Ok, grâce. Oh, le cheval, il a eu peur. Bah, il a eu raison d'avoir peur, hein. Parce qu'avec moi, je suis assez dangereux. Allez, on est bientôt arrivé. Je rentre dans le camion, je me casse. Allez, c'est parti. J'ai le camion. Super. Récupère-moi à la station service. J'arrive. Donc c'est juste ici, donc ça va, c'est pas très très loin. Oh, ça avance vraiment pas, hein. Le camion, ça va être long. Hein. Carlos, j'y suis presque. Ah, je suis bientôt arrivé. Monte le camion dans le garage. Ça marche. Oh, qu'est-ce que je suis un pilote. Waouh, ça c'est du déguisement, dites donc. Lâche-moi et monte derrière. Ok. Première fois que je reviens ici depuis mon évasion. Avant, c'était une école. Mes enfants y sont allés. Combien de temps t'as été enfermé? 8 mois, peut-être plus. 18 heures par jour dans les champs à prendre des coups de fouet et à respirer du poison. Ça bousille la mémoire. Ça ressemble à l'enfer. T'as raison, mais j'avais Miguel. On se serrait les coudes. Ouais, t'as dit qu'il était comme un fils pour toi. C'est l'enfoiré le plus coriace que je connais. Je l'ai élevé comme mon fils, mais appris à boxer. Il a failli être Seigneur Yara avant qu'on soit embarqué. Comment tu t'es enfui? Un soir, Camilla est entrée furtivement. Elle a planté 3 gardes, pris 2 balles dans l'épaule, choper un otage et nous a libérés, Philly et moi. Ça, c'est signé Espada. C'est bien ma fille. Et elle a pas trouvé Miguel. Et après, c'est devenu trop risqué. Alors, on l'a laissé avec d'autres camarades. J'espère juste qu'il est pas trop bousillé. On arrive, plus un mot. Carlos Montero, mais pourquoi t'es là? Miguel, il est où? J'en sais rien. Les gardes l'ont emmené dans la prison. Eh merde, c'est chaud. On se casse. Pars, je cherche Miguel. Si, Chop, ce sera toi contre toute l'armée. T'inquiète pas, papa, je suis plus un bébé. T'es complètement malade. Quand tu l'as, va à la station service. Bonne chance. Tu
Ah, je vais vous laisser ici, les amis. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bye les amis!